Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une vidéo extraordinaire, c'est la partie 2. La marque du diable 666 partout dans le monde. Et ce que nous allons voir ici, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. La marque du diable 666 qui est cachée sur des logos. Et c'est bien caché, hein? Mais ce qui est sûr, nous allons tout découvrir ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Parce que ce que nous allons maintenant découvrir ici en ce moment, ça va être chaud. Bien, nous préparons le dispositif. Nous allons au studio. Ce que nous allons voir est incroyable. Est-ce que vous avez vu ça? Regardez à l'écran, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, mes frères et sœurs? Qui est-ce? C'est le diable. Tout simplement, c'est le diable. Ce n'est pas Nyan's Reborn qui est ici. Mais c'est le diable. Le diable Satan. Et le diable Satan aime les signes. Comme Dieu montre des signes à ses enfants, même des signes ont précédé l'arrivée de Jésus-Christ, le diable aussi a décidé de nous montrer des signes, de nous présenter des signes. Et le signe le plus connu, c'est ce signe-là, 666. Et il est quelque part ici sur le camp. Le voyez-vous? Trouvez-le, s'il vous plaît. L'avez-vous vu? Mais bien sûr que oui, là c'est visible, mais parfois c'est très caché et les gens ont du mal à voir. C'est qu'est-ce que dans cette vidéo, nous allons tout savoir. Regardez bien. Franchement, ce gars-là, même en photo, il fait peur. À plus forte raison, dans la vie réelle, ça va être chaud. Là, nous allons entrer dans une autre dimension. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? C'est parti. Regardez ça. On voit carrément un livre. Et ce livre-là a carrément un chiffre qui est inscrit sur le dos, sur son dos. Et c'est facilement visible. Et ça, c'est 666. Ma soeur, mon frère, si toi tu vois un livre sur le marché, où ils ne se sont même pas fatigués, ils ont écrit directement 666 là-dessus, qu'est-ce que toi tu dois te dire? Tu dois te dire que c'est le diable qui est censé être là. Et c'est lui qui est censé être à l'origine de ça. Et on voit un autre logo ici. Un autre logo qui est là. Mais dans ce logo, on peut clairement voir que il y a un 666 qui est là. Est-ce que vous l'avez vu? Regardez-le bien. Vous avez vu? On voit un truc qui ressemble juste à une virgule. Un autre qui ressemble à une virgule renversée. Ensuite, l'autre qui est là. Après décryptage, nous avons découvert que, en réalité, ça donne ça. Une, deux et trois. Ce qui forme 666. 666. Mais c'était bien caché. Mais oui, on vous l'a dit. Parfois, ça peut être très caché, bien, bien, bien caché, bien caché. Et les gens auront même du mal à savoir qu'il est ici. Ces choses sont réelles, mes frères et sœurs. Si on ne vous a pas montré, vous allez peut-être tomber sur de ces choses bizarres. Et ce qui est étrange, vous allez voir un autre signe encore très caché, mais qui ressemble à ce qui nous rappelle 666. Et c'est ça. Regardez ça. Trouvez le 666 dans le symbole qui se trouve juste ici. Où est le 666 selon vous? Regardez-le bien. Avant que nous vous montrions le résultat maintenant. Avant que nous vous montrions le résultat, regardez bien ce signe. Où est le 666 très caché qui est dans ce signe? Trouvez-le. Le résultat est juste en bas, vous allez le voir tout de suite. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. C'est fait. Regardez bien. Waouh! Regardez juste en haut là. Juste en haut, on peut voir une flèche qui est en rouge, une autre flèche qui est en vert et la troisième flèche qui est en bleu. Est-ce que vous voyez? Et ce qui est étrange, c'est que ce symbole-là ressemble au symbole que nous avons vu précédemment. Vous avez vu? C'est la même chose. Et on voit trois flèches. On suppose que la première flèche qui est ici est censée représenter le rond qui est là, en rouge. La seconde flèche qui est en vert est censée représenter le vert rond. Et c'est ce qui donne
ça, 666, avec les trois couleurs de chaque flèche distinctive. Vous avez vu comme c'était caché. Est-ce que vous avez pu voir cela? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que des vrais jeux, des vraies choses vont venir. Ça a l'air d'être du jeu, mais c'est plus sérieux que sérieux. Quand vous voyez un truc pareil quelque part, faites vraiment très attention parce que le diable est là. C'est pas tout. Nous préparons encore les choses pour vous montrer toutes les images qui sont venues. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et vous serez maintenant surpris. Regardez ça. Si vous êtes déjà même surpris, même étonné, cliquez sur j'aime. Et partagez la vidéo et soyez prêts. Nous avons deux autres chaînes aussi. En cliquant sur Yance Rebond, vous aurez accès à notre page. Quand vous avez Yance Rebond 2, Yance Rebond 3, abonnez-vous aussi sur nos deux autres chaînes. On a besoin d'abonnés sur les deux autres chaînes. Regardez ici. Waouh! Est-ce que vous voyez ça? Ici, on voit 666 aussi qui se trouve carrément là. Mais c'est bien caché. On voit un 6 ici. Nous voyez-vous? Un 6 là. Là. Un autre 6 ici. Puis un troisième 6. Quelqu'un m'a dit, mais quelle coïncidence! Comment ça se fait? Et qu'est-ce qu'il fout là? Selon vous, est-ce que c'est un hasard ou bien est-ce qu'ils se sont trompés? Ça m'étonnerait. C'est pas sûr qu'ils se soient trompés. Mais frère et soeur, nous allons vous dire. Les gens ne se trompent plus. Les gens ne peuvent pas se tromper. Un truc qui est venu se positionner là, c'est pas là pour rien. Et regardez cette image encore à l'écran. Ici, on voit un logo. Et sur ce logo, il y a 666. Il y a plein de chiffres qui ressemblent à une virgule. En même temps, à un 6. Et regardez bien. Ici, on peut voir un 666 pied camouflé au milieu. Où est-il? Regardez bien. Il y a un 666 qui est bien camouflé, même plusieurs 666 qui reviennent à chaque fois. Quand on regarde ce signe, on peut voir que horizontalement, on voit 6, 6 et 6 ici. Est-ce que vous l'avez trouvé? Si vous l'avez trouvé, les 5 gemmes, si vous n'avez pas encore les 5 gemmes. Là, je saurais qui l'a trouvé vraiment. Combien de personnes ont trouvé? Et ici, on peut voir encore une autre 6, 6 et 6 verticalement. Est-ce que vous l'avez vu? Et de l'autre côté, quand on se penche, on voit encore une autre 6, 6, 6 qui descend là. Et un autre 6, 6, 6 juste ici. Décidément, ils ont fait ces signes de sorte que de tous les côtés, ça puisse nous donner 666. Ça m'étonne. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est vraiment étonnant, c'est surprenant. Ça vous surprend. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Mais nous sommes là pour apprendre, mes frères et sœurs. Nous sommes là pour découvrir ce que nous devons découvrir pour avancer. Et ces choses sont même plus réelles que réelles. Et ça se trouve dans les logos. Dès que vous voyez ça dans un logo, faites attention. Même ça peut être très caché. Regardez ça. Là, ça va même vous étonner. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on voit? Le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Trois couleurs, ils apparaissent dans leur logo. Mais bizarrement, quand on fait le même jeu, on joue à ce même jeu, on trouve un 6 qui est ici, un C. Ça, c'est un C, c'est un C. Mais c'est camouflé. Le diable peut se cacher, mais les signes sont là. Quelle est la différence entre ce signe et les signes précédents? Quelle est la différence? Posez-vous de vraies questions. Ce sont des vraies questions. Si vous posez des vraies questions, mes frères et sœurs, vous aurez des vraies réponses. Et ici, sur un train, regardez ce qu'on voit. Est-ce que vous voyez? Regardez ça. On va faire un zoom comme ça, autofocus. On voit un 666 qui est carrément bien visible ici sur le train. Un 666. Est-ce que c'est son numéro de série? Si c'était vraiment son numéro de série, ils n'allaient pas montrer cette image ici. Ça m'étonnerait. Peut-être qu'ils l'ont fait pour un but. Et c'est un transport en commun. Faites attention, mes frères et sœurs. Des choses graves qui se passent. Abonnez-vous.